à Vouvray, sur le domaine de Monsieur Kraft, nous organisons la troisième édition de notre matinée vigne. C'est l'occasion pour nous de partager notre vision de la positive production. La positive production, c'est pour De Sangos être capable de proposer aux viticulteurs des solutions à la fois économiques et rentables pour protéger leur culture, mais surtout qu'ils soient fiers de leur métier. De Sangos est leader sur le biocontrôle aujourd'hui, avec 25% des actifs de la liste officielle et 15% de parts de marché. Et donc nous présentons à l'occasion de cette matinée plusieurs de ces solutions au travers de 8 ateliers. Sur l'atelier Mildiou, l'objectif c'est de partager avec les différents interlocuteurs nos différentes pistes de travail avec un produit qui est aujourd'hui connu et reconnu, un produit de biocontrôle qui est le LBG, de pouvoir présenter aussi en avant-première une solution innovante qui est actuellement en cours d'homologation, de vraiment avoir un exercice de partage de nos différentes pistes de travail pour la viticulture de demain, dans un souci de conjuguer l'efficacité et aussi le respect de l'environnement et aussi le respect des attentes sociétales. Sur l'atelier Oïdium, nous présentons un projet, le DSPF 011, qui sera le premier soufre liquide d'origine agricole. Des produits dérivés agricoles sont recyclés pour fabriquer des biogaz, qui doivent être épurés du H2S, qui est très corrosif pour les installations avant de faire de l'énergie verte. Nous récupérons le soufre élémentaire de ce H2S pour formuler ensuite notre soufre liquide. Donc c'est un soufre qui a une formulation de qualité et qui est aussi efficace que la référence haute du marché. Donc ici on est sur l'atelier lutte contre l'ESCA, maladie du bois. On présente notre produit DSPF 052 qui sera mis sur le marché la campagne prochaine. L'originalité du produit c'est qu'il est composé de deux souches de Trichoderma, Aspergillum et Gamzee, et qui sera accompagné par un suivi par drone pour avoir un diagnostic précis de l'ESCA à la parcelle, diagnostic qui sera fait en fin de saison. L'intérêt c'est vraiment de présenter notre offre dans le cadre d'une lutte globale contre les maladies du bois. L'atelier ravageur, on a principalement présenté le Checkmate Puffer. Le Checkmate Puffer permet de faire de la confusion, Eudémis. La grande innovation du Checkmate Puffer, donc c'est un produit qu'on commercialise depuis 2 ans, c'est donc le mode de diffusion. Avec le Checkmate Puffer, en 20 minutes, on arrive, un quart d'heure, 20 minutes, on arrive à poser l'ensemble des diffuseurs dans la parcelle. Donc on espère en 2020 pouvoir commercialiser un Checkmate Puffer qui fera l'Eudémis et la Cochilis. Dans le cadre de la positive production du groupe De Sangos, les adjuvants s'inscrivent pleinement dans cette démarche au travers de nos adjuvants qui améliorent la qualité de pulvérisation. Le viticulteur va pouvoir retrouver un certain nombre de points qui vont améliorer son positionnement, notamment la rétention, c'est-à-dire la faculté que les gouttelettes auront à tenir sur la végétation, améliorer l'étalement et puis également améliorer la résistance au lessivage des produits de contact. Alors les produits de biocontrôle sont aujourd'hui incontournables de la profession. De Sangos c'est également une entreprise qui monte depuis de nombreuses années, qui est assez innovante et voilà, je suis venu voir un petit peu ce qui se passait chez eux. Je suis venue aujourd'hui parce que pour moi le biocontrôle c'est l'avenir de la viticulture, on ne pourra pas s'en passer dans les années qui viennent et là on a eu aujourd'hui l'avantage de voir non seulement des résultats mais aussi des éléments scientifiques, donc c'était très intéressant.